Estelle ne recule pas, hein. Justement au contraire, elle reste sur place en essayant d'avancer. Oui, elle touche sur la partie gauche. Là où elle est efficace, Estelle, lorsqu'elle enchaîne, parce qu'elle est plus rapide de bras. Elle passe en dessous. Oui, c'est vrai qu'elle a, elle a cette facilité, Estelle. Elle est très rapide de bras par rapport à son adversaire. De pouvoir déclencher justement et de la toucher avant qu'elle ne le fasse. Mais elle est vraiment dure au mal, hein, cette Suédoise. D'ailleurs, quand on s'entraîne en Angleterre, ils sont vraiment réputés pour être dure au mal. De la dureté dans ce pays qui a inventé la boxe, ce qu'on appelle la boxe anglaise. C'est pour cela qu'elle a décidé il y a un an de quitter sa Suède, sa ville de Lessebo. Ouais, c'est quoi à faire pour aller ça. Dans bon, là, ça cafouille un petit peu. Reprendre la distance. Oui, c'est bien ça. Bien tenté au corps. Ouais, c'est bien monté à la face. Elle la contre. Oui, elle la contre. Et grâce à son coup d'œil, elle touche. Et elle gagne ce cinquième round. Bah, disons qu'elle est, elle est à l'aise à cette distance, Estelle. Hein. Là, pour le moment, elle n'est pas encore assez efficace en corps à corps.